Jacques Joachim, c'est un nègre que nous voulons qui est immortel, tant pour Dessalines, tant pour Christophe. Eh bien, nous associons avec Destination Cap-Haïtien pour nous créer événement, pour nous donner hommage à Jacques Joachim, côté que nous mettons Festival Volleyball sous pied, à Nessa, dans la deuxième édition, qui gagne là-dedans les 23 délégations, ensemble avec 923 jeunes, qui sont directement du plateau central, du nord-est et puis du nord. La jeune Lampillon et tout du nord, et puis avec toute autre commune qui pourrait se gagner dans la zone. Et nous pensons, année ça, le championnat bien déroulé, et nous espérons offrir 350 médailles à jeunes et 94 trophées. Et il y a bien trophée pour équipe champion, vice-champion, trophée pour MVP, trophée pour meilleur attaquant, meilleur passeur, meilleur serveur, meilleur receveur, et bien il y a bien trophée pour tout le monde dans toute catégorie. Il y a une catégorie poussin de 8 à 12 ans et catégorie et minime de 12 à 14 ans et catégorie cadette qui commençait de 15 à 17 ans, catégorie junior 18 ans à 21 ans et nous gagnons catégorie open ans, qui c'est le monde qui gagne plus l'âge que 22 ans qui a joué là-dedans. Et c'est une belle activité qui a déroulé actuellement là. Mais dans le Festival Volleyball Jacques Joachim, ça, nous avons un projet. Nous avons un projet pour construire un gymnasium qui relève Centre International Volleyball Jacques Joachim. Et nous avons fait activité ça à Limonade. Et l'année prochaine, nous avons mobilisé nous pour que nous posions la première pierre là et présenter la population maquette là avec tout plan gymnasium ça. Gymnasium ça a gagné pour être capable de recevoir dans l'idée par nous. Et pendant que l'ingénieur travaille sur le plan, 5000 personnes comme monde qui vient assister. Ensuite, il a gagné pour être capable de recevoir 16 équipes de 15 personnes pour héberger. Qui a fait que nous avons créé l'événement international et athlètes ont tout gagné dans trois pour être capable d'aller dans lui, qui peut permettre que nous fassions un bel gymnasium international pour que la communauté haïtienne soit capable de vivre des événements internationaux qui ont fait à travers le monde entier. On a une belle occasion. Depuis que j'ai nos côtés, nous comme dirigeants responsables, fonds présents dans le temps, pour s'en avancer comme idée, pour aider nous passer dans le temps, pour valer la portée, pour aspect moralité la portée, intégrité, dignité ou netteté, il faut nous parler avec Genio. Son occasion, pendant qu'il y a un championnat, volleyball, côté jeunes sorti dans tous les quatre pays, dans le gymnasium, nous avons manqué, nous ne pas répondre à l'invitation. Nous avons eu l'occasion de parler avec Genio. Et après, Jean-Genio a porté à pied, il a dit ce qu'on a présenté. Et je pense que le sport, c'est pour moi qui a négligé. Le sport, c'est la diplomatie, parce que le sport, nous avons vendu le pays à l'étranger. Et le sport, c'est l'économie. Et sport, c'est toute qualité de bagaille, c'est fair play, c'est tout bagaille qui est bon pour la société. Même si on a besoin de manger, sport a besoin. On voit c'est dans un petit sac qui est présent. Et présent, ce point, je veux dire, en pile pour les jeunes. On voit même si on ne peut pas le faire en pile, on peut le déplacer pour aller à Milo, pour aller à Milo. Même si on veut venir saluer les jeunes. Parce que les réunions qui sont à Milo, sont réunions que nous parlons avec en pile dans le département de nos pays. L'autre jour, nous faisons réunion avec le monde quartier populaire, avec un peu l'autre monde dans la section communale. Réunion a fini dans Milo, nous prenons la rue, ça c'est un bon avertissement. Encore, on nous dit qu'il y a une autre réunion encore.